Allô tout le monde, voici Champion MMCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Et c'est le jeu. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais jouer? C'est Planet Coaster. Planet Coaster, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de manège, bien sûr, vous pouvez le voir ici. Ça dit tout. Mais Planet Coaster, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à deux, bon, trois jeux, on va dire une série, mais. C'est pas une série, peu importe, qui se nomme Roller Coaster Tycoon 1, 2 et 3. Moi, je peux vous faire comparer un peu selon le 1 et le 2, pas le 3 parce que je ne le connais pas vraiment. Sachez que Roller Coaster n'est pas fait avec la même compagnie que Planet Coaster. Je vous le dis tout de suite. Absolument, il y a de la musique, mais là, j'ai enlevé la musique parce que le son était misérable. Je suis vraiment pas capable de faire une affaire qui... C'était complètement misérable. C'est la quatrième fois que je le fais en deux jours. Comment cette année, là, honnêtement. Mais nous allons commencer... La différence aussi avec Planet Coaster et Roller Coaster... Bon, avant ça, je vais supprimer ça. La différence, Roller Coaster 1, on a la possibilité de mettre l'entrée et les manèges payants. Roller Coaster 2, vous avez le choix, un ou l'autre, pas les deux. Et ouais. Puis le 3, je le sais pas vraiment. Et celle-là, c'est les deux. On peut choisir, bien évidemment, on peut choisir oui ou non, on le met payant, mais on peut les deux. Roller Coaster, c'est du défi quand même, c'est comme une carrière avec défi, ce mode de jeu vous oblige à garder un œil sur vos finances. Vos possibilités seront limitées en plus de parties et il ne tiendra qu'à vous de gagner de quoi agrandir votre parc. Ici, lancez-vous dans une carrière de gestion de parc d'attractions et recevez des défis variés au cours de scénarios de plus en plus difficiles. Pas facile à la base, je trouve. À mon avis. Ici, au Québec. C'est bien. Le Québec est là. Donc, on est dans le coin de la Floride. Plutôt. L'autodrome de Chef B. Ah, en plus, les Corses. Ici, c'est l'île du Chêne et centre-ville. Je ne veux pas prendre le centre-ville. Je vais peut-être prendre l'île du Chêne. Ce parc fait frissonner le public depuis plus d'un siècle. Oh! Oh! Un siècle! Mais il menace désormais d'être éclipsé par ses concurrents plus modernes aux importantes attractions à sensations fortes. La direction souhaite le moderniser avec des manèges au goût du jour, tout en préservant son héritage. Seriez-vous à la hauteur du défi? Je ne sais pas, mais on va l'essayer. Bon, on est de retour. Bon, on a vu... qu'est-ce que ça disait? Ça lag, pas à peu près, je trouve. Je mets en pause. Voyons voir... ce que ça a l'air. Es-tu sérieux? On est vraiment uniquement sur l'eau? Au secours. Oh, ok, on a tout ce terrain. Nous avons 3 000 $. Un train qui fait qui fait pas mal. Qui fait la moitié, au moins, du terrain. Une montagne russe. Où est l'entrée de cette montagne russe? Nous avons 1035 visiteurs. Qui est très bien. Faut pas oublier que c'est un patrimoine. Ça a plus d'un siècle. Que c'est très vieux. Même la ronde n'a pas plus d'un siècle. Un demi-siècle. La ronde. Je sélectionne ceci. Caméra. Voyons voir.
On peut, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ceci sans problème. Que je trouve ça bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas de rien pour. Il n'y a pas de son. Sinon, la qualité audio est un peu à désirer, j'avoue. Mais honnêtement, j'aime bien les manèges en bois, malgré que nous, à Montréal, nous n'avons qu'un manège en bois, uniquement. C'est dommage un peu. Mais c'est pas plus grave que ça. Et ça commence. Le monde lève les mains. C'est n'importe quoi. L'animation est un peu n'importe quoi, je trouve, des fois. Vraiment un peu n'importe quoi. C'est sûr que je garde cette montagne russe. C'est LE manège. LE manège. Ah, qui ressemble un peu au monstre. un peu au monstre actuel. Mais vraiment, ça c'est LE manège. Bon, on va mettre en pause. Ah, on est rendu à 4000, ça fonctionne quand même bien. L'entrée. Ah, on peut y aller par là pour aller à l'entrée. C'est la première chose qu'il faut aller, à peu près. C'est savoir où est l'entrée. Qui est juste là. Porte d'entrée du parc. Nous allons mettre 6$, 8$. Je l'augmenterai au fil du temps. Et voilà, donc l'argent qui rentre. En gros, une carrière, c'est. Il y a déjà une base. Vous direz là. Les carrières, on a déjà une base pour améliorer le parc. Il y a aussi le mode bac à sable qui est bien si tu veux jouer tranquillement sans souci d'argent. Il faut construire des manèges. Et nous avons tout ceci. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme manège au sol en ce moment, mais les montagnes russes ou ça, je ne peux pas. Ok, on a une grande roue. Nous avons des balançoires. Nous avons du terrain ici qu'on peut exploiter, qui est bien. Mettre un petit manège là. Bon, on va faire monter ça pour l'instant. Nous avons okay, ceci. Nous avons ça, c'est une affaire de. Avec les pétonnières. Bon, okay, on peut mettre des restaurants ici. Bon à savoir. Ah, puis il y a déjà des restaurants et tout. J'ai plus ou moins besoin de m'attarder à ceci. Oui, à un moment donné, oui, mais pas pour l'instant. Ici, il y a un manège. Ah oui, ce manège-là. Ah, ça me rappelle des souvenirs, cette affaire-là. On avait ce manège-là aussi à la ronde, mais plus maintenant. Ils l'ont enlevé, mais on avait ça comme manège. On va voir les employés. Pour les employés, vous pouvez aller tout simplement là pour voir toutes les affaires du parc. Fermer le parc au complet, ouvrir le parc. Les employés pour voir, sont satisfaits quand même, les employés. Ok, ah c'est comme ça. Ah, c'est là que je cherche ça. On a 6 techniciens de surface. Un mécanicien, un animateur, un agent de sécurité, puis 17 vendeurs. Mon jeu, attraction et manège, 4 manèges, 3 montagnes russes, 3, ok, 22 boutiques et services, 3 fermées, puis aucune en panne.
C'est vrai que toutes les maps là, ça, le monde vient de. Je sais pas trop où. Le monde décide de partir. Bon, construisons quelque chose là pour faire attirer le monde. On va construire vraiment quelque chose au sol pour commencer. De toute façon, on n'a pas énormément d'argent, puis on n'a pas d'emprunter pour l'instant. Attraction. Nous allons faire 2000. Donc, un petit manège relax. Petit manège. Sachez que c'est pas un jeu facile, évident. Mais j'ai quand même un peu d'expérience avec World Coaster. Mais c'est un jeu complètement différent. Puis même des fois, je dirais quasiment plus difficile. Jusqu'à date, là, je le trouve quand même plus difficile. Curl costaud. Ça c'est à mon avis là, honnêtement. Je serais pas sûr. J'ai 3,50, je vais laisser ça de même, là. Je serais pas l'argent. On va faire le test. Ça fonctionne. Merci. Ça m'a pas de naturel. C'est pas grave. Eh, je viens d'avoir des succès! Ah, c'est pas formidable! Mon kit arrive au film pas, rentre pas. Kit. Oh, t'en panne. Bon, le technicien. Le mécanicien, il est où? On dirait que ce travail a été créé pour moi. Tant mieux! T'es où? Je suis déjà quasiment moins 1000$. Même pas d'argent, je perds de l'argent. Ouais, je monte. Oui, il y a du monde qui vient, la majorité du monde quitte tout. Tant qu'à ça, faudrait quasiment que je ferme de tout, mais si je ferme ça, je fête. Ok, il s'en va. D'eau, ce qui est bien. Là, ça marche seulement lentement. Ça marche tellement lentement. Et il me coûte cher quand même. Ce mécanicien-là me coûte cher. Je vais rester avec le seul mécanicien. De toute façon, je peux pas construire rien. J'ai déjà construit un manège. Puis je pense que c'est qu'on a eu dans le trou, mais il n'y a pas juste ça non plus. C'était évident qu'à un moment donné, je serais dans le trou. Ok, là je suis dans le trou. C'est bien. Sachez que je veux vous dire quelque chose de même, les mondes sont riches. 300$. On gaspille 300$. Ça coûte plus d'argent. Oh, le mécanicien est là. Oh, je vais attendre, c'est déjà terminé. Déjà. Ça passe tellement vite. Là, il répare ceci. Pour le regarder faire. Il est là. Là, vous gagnez en plus. De nombreux visiteurs ont soif. Oh, ok. Et voilà. Que ça reprend. Comme l'épisode. En plus, aujourd'hui, j'ai coincé là-dedans. Il est à nouveau ouvert. Il coûte cher, hein, ce jeu. Aussi, hein. Il coûte cher. 20$ l'entrée. Alors, pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Ah, il y avait déjà un carrousel là, en plus.
Ah, j'ai une construction pour rien. Ah. J'ai complètement construit ça pour rien. Bon, pas pire que ça, de toute façon, je vais supprimer la partie. Mais ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Ça va être carrière, c'est très difficile. Je vous le dis tout de suite, carrière, c'est très difficile. Il n'y a pas grand chose. Ah, pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lien et s'abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SN2 Jeux. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.